Allez, on va reprendre notre petite série Zelda 3, version MSU. On va reprendre là où on était, donc c'est-à-dire là on a le palais 7 dans le Dark World à terminer. Si je me souviens bien. Alors vérifions ça. C'est bien cela. Alors je ne sais plus comment on y accède, faut repasser dans le monde de lumière, je crois. Alors par contre avant, est-ce que je vais pouvoir forger l'épée? Donc c'est-à-dire casser ce mur là. Il faut une bombe spéciale. On va aller voir le marchand de bombes. S'il a ça avant. Parce que je me souviens plus. Voilà, le marchand de bombes, il est là. Oh, il l'a, c'est magnifique. New Super Bomb in stock, pour seulement 100 rubis. Alors maintenant, on va l'emmener. Alors, il faut surtout pas sauter. On ne peut pas courir non plus. Il faut qu'on l'amène devant le mur. On la dépose avec le bouton A. Et là, normalement, on va pouvoir encore avoir un upgrade de l'épée. On a déjà une épée qui est déjà assez forte. Hein. Alors on va l'augmenter, ça va être cool. Donc voilà, on appuie sur le A, on pose la bombe. Et là, en plus, je crois qu'on a une fontaine de fées à côté. Ce qui va nous être très utile, je crois, il me semble. Ok. Donc, j'ai un bocal vide, alors on va commencer par là. On l'a fait qu'a subi aussi les effets du Dark World. On récupère une potion verte. Tiens, la manette s'est déconnectée. Voilà. Alors attends, est-ce qu'on a quelque chose? Ouais. Voilà, c'est notre épée. Voilà, on a l'épée maximum. Voilà, ça tabasse là. Alors attends, bouge pas, fais voir. Normalement, on peut rien upgrader de plus là. Ouais, je regarde. Ah, peut-être le si l'arc et flèche. Je me souviens plus si ça l'upgrade. Ah voilà. Voilà, nous donne des flèches d'argent qui pourront battre Ganon sur la fin. Très bien. Donc passage obligatoire chez cette fée. Alors ici, je ne sais plus comment on y va. Bref, c'est pas grave. Alors on va prendre le miroir là. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? On va save and quit. Attends, putain. Oh, c'est pas ça ce que je voulais faire. On va essayer d'aller chercher la magie de flamme. Ouais, faut passer par le bas. Ici, là. La magie de flamme, normalement, elle est là-bas. Et il
faut y accéder avec le Dark World. Attends, c'est pas là. Putain, j'ai un problème de pile ou quoi là? J'avais pourtant chargé les piles à fond là. Sur la manette. Parce que je joue avec une manette 360 sans fil. Relié à mon Mac avec un capteur. Sur ordinateur, il faut un capteur. Ouais, c'est ça. Alors attends, ici, je prenais quelque chose. Non. Ouais, c'est ça. Et là, on repasse dans le monde de lumière. Mais hop, nous voici en haut de la colline, comme par magie. La magie de flamme, elle est là. La voici. Et je crois par contre qu'il va nous falloir la magie du séisme. Absolument pour ouvrir le palais 7. Alors attends, parce que là je fais peut-être des conneries là. Ouais, on va aller voir le palais 7. Putain, et je me souviens plus où elle est quoi. Alors attends, on va repasser dans le monde de lumière là. On va prendre la flûte. Ah, attends, avant de faire ça, je vais aller voir la soirée. On peut aller voir le vieux. Le gars qui disait rien là. Je crois que c'est le père du garçon qui était dans la forêt. Non, c'est pas lui. Oh, je me souviens plus ce qu'il faut lui faire. Lui. C'est pas grave, on va prendre le téléporteur. Ah, je crois que je me souviens, la magie du séisme, elle est au même endroit qu'il y a le palais 7, en fait. Mais dans le monde de lumière, il me semble. Magnifique. J'aurais peut-être dû la capturer. Alors on va aller voir là-bas. Une autre fée. Attends, qu'on a... Non, c'est plein. C'est pas la peine. Oh merde, je me fais toucher juste après l'avoir pris. Là, on a un fragment de cœur. On peut y accéder avec les cavernes, il me semble. Alors, je vais voir ici. Ouais, voilà. Il y a un ordre précis pour les avoir. Bon, en gros, ici, ça fait apparaître un téléporteur qui nous emmène dans le monde des ténèbres. Et donc, on peut accéder au dernier niveau. Je vais aller voir là-dedans avant, là, si il y a matière à récupérer ce fragment de cœur, là, si je me souviens comment faire.
ça. Attends. C'est que je suis. Ok. Là, on est carrément redescendu là. Ah vas-y, je vais aller dans le trou là, on va voir ce que ça donne. Ah bah tiens, déjà, il y a un truc secret là. Ah tu vois. Qu'avons-nous là-bas? Ah bah tiens. Tiens, un marchand secret. Bon, très bien. Rien d'utile pour le moment, mais c'est bon à savoir. Alors lui, il doit pas faire des affaires tous les jours, vu où il est placé, là. Alors, attends. On va essayer d'être usé, là. Très bien. Bon, en gros, à part du fric, là, il n'y a pas trop grand chose d'intéressant. Du coup, on va sortir. Ça va peut-être nous mettre voilà, en bas de la montagne. Ici, normalement, il n'y a rien de spécial à faire. On va remonter. C'est pas par là. Alors, je croyais qu'on avait un téléporteur ici, mais non. Nickel. Alors là-bas, ouais, c'est pas la peine, c'est là où on avait la magie de l'éther, je crois. Je vais essayer de me souvenir comment on obtient ce fragment de cœur. C'est par là. Ah non, c'était l'autre, je crois, l'autre du milieu. On va voir ça. Ouais, je crois que c'était ça. On va voir où ça mène, ça. Balles. Nous voici de retour en bas. Ouais, c'était bien le truc du milieu, il semble. Ah putain, je suis baisé. Ah putain. Ah, ils font chier ces ennemis là. Allez, dégage. Puis alors, on peut pas les casser. Quand ils sont frisés, on peut rien faire. Hein. Rebelote. Ça va emmerder là. Bon, on va tenter l'endroit où j'ai dit. Je pense qu'on arrêtera la vidéo là.
histoire que je vois ce petit problème de manette là. Toc. Défait, bah, y'a rien de spécial. Bon bah j'ai oublié comment on accède à ce fragment de cœur. Ah, à moins que ça soit avec le Dark World. Ah ouais, ça doit être ça. Alors attends, où c'est que ça? Bon, je vais aller activer le palais. On va aller activer le palais, je vais voir ce qu'il y a là-dedans ici. Hein. Spécial, on dirait. Deuxième étage. Normalement, dans tout ce lot de cavernes, il n'y a rien de particulier en principe. Il y a juste la canne. Attends, hop. Ici, on peut peut-être tomber par là-bas. On va aller voir ça. On peut choper la canne bleue ici. La canne bleue qui nous fait une petite aura magique qui nous protège. Je sais qu'elle est dans le coin. C'est là, exactement où. C'est pas par là. On va voir si je tombe ici. On va pas s'énerver de toute façon. Ah bah ok, on tombe chez les fées. Les fées et les rubis sont revenus. Allez, on s'arrache, on va aller au palais. On fera la prochaine vidéo, ce sera le palais. Eh ben, elle fait chier cette manette là. Voilà. Aussi putain quoi. Ah putain, mais comment on se fait troller quoi. Heureusement que j'ai la tunique bleue quoi. Putain, mais c'est pas possible quoi, la manette là. Voilà, c'est encore débranché. Allez, vas-y, faut que tu tiennes au moins jusqu'au palais, bordel. Putain, mais les piles sont neuves, bordel. Les piles rechargeables, je les ai rechargées, quoi. Ça fera une vidéo où il se passera pas grand chose, il y aura pas grand chose dedans. Malheureusement. Ça t'évitera de te faire perdre du temps si tu fais la run aussi de ton côté, là. Va éviter de faire ce genre de truc, quoi. Ouais, je crois que je me souviens, on y accède avec le monde des ténèbres, il me semble. C'est bien ça. Et là, voilà, attends, je suis baisé parce qu'il faut la magie du séisme, c'est bien ce qu'il me semblait, pour pouvoir accéder à ce palais. Je vais toujours regarder une solution sur internet, j'ai complètement oublié où elle est quoi. Alors là, attends, on peut pas y... Ah, attends, regarde, voilà, c'est par là, je crois. C'est par là, par le monde des ténèbres, il me semble. Comme ça, limite, on finit sur une bonne touche. Alors là, attends, on a un truc là-haut, là. Alors là, on n'a pas trop le choix, on suit le chemin. Bah là, je suis fucké, là. Ah, ok. Super. Super.
va y avoir un truc à... On va pouvoir y aller là-bas. Là. Ah bah je suis con là. Ah, y'a un autre coffre là, tiens. Putain, c'est pas possible. Oh, le poulet, quoi. Allez, dégage, toi. Allez, on va tenter, là. Ouais, c'est bon. Peut-être qu'il y a un interrupteur, là, sous un des crânes. Eh bien, non. J'ai plus aucune idée comment on passe, là. Alors là, trou noir total, quoi. On va voir, parce que le... Regarde ça. Putain, sans deck. Je m'en souviens, faut que je fasse la magie de l'éther. Il y a des plateformes invisibles, et on va les voir, là. Attends, bon, éther. Tiens, regarde ça. Ce piège à con, là. Ça, ça, c'est une belle petite astuce. Alors, à niveau rubis, on est à fond. Ok. Voilà, on doit pouvoir sortir là où il y a le fragment de cœur, je pense. Ah bah tiens, c'est pas de refus. Ok, ça peut se péter aussi, ça. Bien. Ouais, bah je crois qu'on est à fond, là. Hein. Ouais. Donc c'est pas la peine. Très bien, c'est comme ça qu'on obtient finalement ce fragment de cœur, que voilà, ouais, il est complètement inaccessible, et nous gagnons un cœur complet. Bon, ben les petits gars, on arrêtera la vidéo ici, je vais regarder où est la magie du séisme, et on ira chercher ça la prochaine fois, et on fera ce dernier palais dans le monde du Dark World.